Hey, salut tout le monde, c'est Diablo et on se retrouve sur Trackmania 2 Stadium pour vous montrer un petit peu les maps de la ZRT Cup 2017, donc la Zerator Trackmania Cup 2017, compétition dont j'ai fait une petite vidéo annonce précédemment. Je vous invite à aller la voir si vous ne l'avez pas regardée, c'est pour vous donner toutes les informations par rapport à la queue. Donc là on commence avec ZRT Old, donc c'est une map qui a été faite, je crois que c'est une des dernières maps qui a été créée, si je dois dis pas de bêtises. Donc c'est une map assez compliquée, c'est l'une des plus compliquées pour ma part je trouve, notamment le début où il faut bien prendre, voilà, ce zeppelin. Donc là j'ai du bol, ouais, j'ai failli tomber, j'ai eu du bol, j'aurais pu tomber. Donc c'est une map assez compliquée dans le sens où il y a pas mal d'obstacles, voilà. En fait, il faut pas vraiment relâcher la pression tout le long de la map parce qu'il y a pas mal d'obstacles, etc. Même si c'est une map assez courte, hein, fait, voilà, pour Carl Junior qui a fait une 15, une 16, Hugo une 15, voilà. C'est une map assez courte mais très technique. Il y a pas mal de. Voilà, de c'est un petit peu du RPG, hein, donc, ceux qui connaissent un petit peu ce style de map. C'est un peu du parcours. Voilà. Après, je vous montre pas que je me suis pas mal entraîné dessus et encore. Et pas non plus ouf, hein. J'ai fait une 30 comme meilleur temps, le premier temps à une 16, une 15, voilà, j'ai quand même 15 secondes de différence, mais il faut savoir que je suis pas non plus hyper bien réglé sur cette map, je dois l'avouer, même si la compétition commence demain. J'espère être prêt pour demain. De toute façon là aujourd'hui j'ai quand même essayé de m'entraîner au maximum, quitte à devoir me faire des sessions uniquement sur une ou deux maps en particulier, parce qu'il faut savoir que cette map là j'ai eu pas mal de temps avant de la gérer. Encore là, voilà, j'ai fail, la fin est assez compliquée, donc c'est une map assez technique, voilà, il faut pas relâcher la vigilance, surtout le début, il faut vraiment passer le début du premier coup, sinon on est un peu biaisé par rapport au fait que lors de la compète on sera en mode rune et que les premiers n'hésiteront pas pardon, à aller super vite, parce qu'il faut savoir qu'une fois que le premier joueur a passé le finish, il y a 30 secondes de délai avant que la map soit, enfin le tour de la map soit fini. Bon, là j'ai fait pas mal d'erreurs. Après je vais pas vous laisser non plus 36 essais de la map, hein, je vais en faire une ou deux, je couperai, voilà, à chaque fois. C'est juste histoire de vous montrer un peu toutes les maps. Après, si vous voulez vraiment voir la gueule des maps, comment elles sont faites, je vous invite à regarder les mappings, voilà, les VOD de Zerator sur sa chaîne YouTube. Évidemment, je crois qu'il y a toutes les vidéos où il a mappé ses maps, où il a fait ses maps, ils sont disponibles. Je vous invite à aller regarder ça pour voir un petit peu plus en détail comment sont foutues les maps. Bon, là j'ai un peu de mal, mais bon, on arrive à la fin, voilà, il reste plus qu'une minute sur le serveur avant le changement de map, j'aurai pas le temps, mais je m'entraîne quand même pour le début, parce qu'il faut savoir qu'il est assez compliqué avec ces piquets là qui gênent un peu. Il faut faire un saut assez bien là, voilà, pour la petite info, je joue au clavier, voilà. Donc, les pros jouent essentiellement à la manette, hein. Sauf de rares cas comme par exemple Ayako pour ceux qui il avait suivi l'année dernière, il est arrivé en demi-finale et c'était le seul joueur clavier. Voilà. Mais il se débrouillait plutôt pas mal, je trouve. Moi, je sais pas non plus, je sais pas trop son skill. Donc là, j'ai vraiment du mal au début. Il faut vraiment être concentré, précis. Voilà, je fais un peu de la merde, désolé. Et on est de retour. Donc là, map suivante, c'est la Multilap. Donc c'est la seule Multilap, non. Donc multi-tour hein, en français, qui a été faite pour cette compétition, voilà. Donc cette map est assez simple, hein. C'est voulu, il n'y a pas trop de passages techniques pour que ça soit une map assez spectaculaire, assez agréable à regarder lors de la compétition. Donc voilà, le parcours n'est pas compliqué, là on a juste une boucle à faire, on prend le bout. Après on va à droite, il y a un petit wall, voilà, hop, on va dessus, on tombe par là, faut pas trop.
contre les missiles pop, risque de sortir. Et là, il y a trois choix. Voilà. Soit on peut aller au milieu, soit à droite, soit à gauche. Hop. Et après, de la gauche vers la droite. Ah, je l'ai bien pris pour une fois. Voilà, et on arrive au à ligne d'arrivée. Pour faire un petit tour. Sachant qu'en mode round, lors de la compétition, il y aura deux tours à faire. Ah, là, on en fait qu'un. Il y aura deux tours à faire. Donc, moi, ce que je vais essayer de faire, du moins pour la première phase des poules, c'est que je vais faire en sorte de pas trop me fail, d'éviter de prendre ce que j'ai fait au début là, enfin à la fin de la fin du tour, c'est-à-dire prendre cette partie là. Voilà, je vais éviter de faire ça parce que le saut ici est assez compliqué à faire. Là encore, voilà, j'ai un peu merdé. Voilà. On voit ce qui arrive et après on respawn ici, donc on perd pas mal de temps. Ce que je vais faire si jamais elle tombe en phase de poule, c'est faire le premier tour avec cette partie là, le milieu. Parce que là on arrive à choper deux boosts, donc on a assez de vitesse pour passer le multilap, le finish. On a assez de vitesse pour enchaîner le deuxième tour. Et après au deuxième tour, peut-être que je tenterai le cut, enfin c'est pas vraiment un cut vu que c'est un chemin qui est valide. Hein. Voilà. C'est le chemin le plus rapide. Donc, je pense qu'au deuxième tour je tenterai à la fin de faire ça. Après les pros je pense qu'ils ils essaient toujours de prendre cette partie là, parce que c'est la plus courte. Voilà, et après voilà, il faut réussir à aller sur cette route, c'est assez compliqué. Là je me suis encore fail. C'est pas simple hein. Après, de manière générale, par rapport aux éditions précédentes, cette édition là, Zerator s'est quand même pas mal appliqué sur les maps hein, par rapport aux précédentes éditions. Là dans l'ensemble le map pack est assez assez bien fait, hein, les maps sont plutôt propres, j'ai envie de dire. C'est limite si un mappeur expérimenté dans le jeu ferait un petit peu les mêmes. Hein, faut pas non plus abuser, certaines maps sont vraiment très très bien faites. Être joué en compétition très honnêtement. Après il y en a certaines qui, en plus c'est voulu hein, mais il y en a certaines qui sont assez comment dire, original. Voilà, je cherchais le mot original dans le sens où ça a été vu nulle part ailleurs, puis ça ne rentre pas dans une catégorie particulière sur Trackmania, parce que pour ceux qui ne savent pas, sur Trackmania il y a trois catégories on va dire principales dans l'environnement stadium. Il y a le tech, c'est la particularité de ce mode de conduite, c'est qu'il y a des virages très très serrés, voilà, c'est assez technique, faut connaître les différents tricks de Trackmania, hein, c'est-à-dire par exemple le néo-drift, le speed drift, tout ça, savoir bien gérer les trajectoires, aller le plus vite possible, pas perdre de temps. Voilà. Ensuite on a le full speed, donc là c'est complètement l'opposé du tech. Des longues lignes droites, des voiles, des loopings, tout ça, le but c'est d'aller le plus vite possible. Donc, il y a généralement du boost sur la map, chose qu'il y a rarement en tech, sauf s'il y a du speed tech, ça c'est notre catégorie, sous-catégorie du tech. Voilà, donc, le full speed par contre c'est, voilà, comme son nom l'indique, c'est vraiment aller le plus vite possible, tout en ayant les meilleures trajectoires, et pareil, il y a aussi des tricks à avoir, donc full speed, plus speed drift pour gagner de la vitesse, etc. Personnellement c'est des techniques que je maîtrise pas encore malgré mes 8 ans de jeu, c'est assez compliqué. Et après il y a le dirt, donc le dirt c'est particularité, c'est que au lieu d'avoir des routes, comme on l'indique, on a des chemins de terre, donc c'est une catégorie bien à part. Et après il y a, on va dire, des catégories un peu plus original. Voilà. Il y a les mini lol, donc les mini lol ça consiste à avoir des maps très courtes qui sont très faciles à finir, mais le but étant de faire le meilleur temps. Donc il y a la plupart du temps un passage compliqué en fait. Voilà, il y a le début, il y a un passage compliqué où il faut bien gérer, et le finish juste après. Ça s'appelle des mini lol, des lol tout simplement, des maps lol.
Et après, il y a le RPG aussi. C'est des grandes, grandes maps qui sont assez longues. Et le but est, comme son indique, hein, est de trouver le chemin pour arriver à la fin. On passe sur pas mal de blocs. Je sais pas, de la décoration, voilà, tout ça. Et ça rend des choses assez, assez originales. Et après, il y a d'autres styles de maps, mais personnellement, je les connais pas trop. Je crois qu'il y a un style de map, c'est la Formule 1, enfin le NASCAR. Le style de map de NASCAR, c'est en multilap, un peu comme cette map-là. Et le but, c'est de faire les meilleurs temps, être le plus régulier possible, c'est l'endurance, tout simplement. C'est un style de map qui a été pas mal développé assez récemment. Quand je dis récemment, c'est 3-4 ans. 4 ans. Ouais, on n'en voyait pas beaucoup. Voilà, c'est un peu les principales catégories de maps hein, qui sont en Trackmania. Et après, on a les maps de Zerator qui sont assez what the fuck. Hein. Mais dans l'ensemble, en fait, il choisit quand même un thème. Voilà, ces maps sont assez thématisées. À chaque fois, il y a un thème précis. Notamment une map dans ce map pack qui prend le principe des zeppelins. Voilà, c'est une map avec full zeppelin, il y a plein de zeppelins, vous passez dessus avec des checkpoints et à la fin il y a un grand saut par exemple. Après il y a une map qui est assez qui est récurrente, c'est Pathfinding. Le but est de trouver le chemin. Voilà, il y a une map avec plein de checkpoints, des chemins divers et variés, et le but est de trouver le meilleur chemin pour arriver à la fin. Map qui n'est pas sans détenir des cuts, les fameux cuts, hein, les fameux raccourcis que les pros abusent, hein, essaient de trouver les raccourcis le plus rapidement possible. Et bon, c'est le beau jeu. Voilà, voilà, donc je vais arrêter la vidéo, enfin, arrêter pour cette map là, on va passer à la suivante. On se retrouve pour la troisième map, donc Link into Twister, map assez courte, moins d'une minute, mais qui a la particularité de comporter deux endroits assez difficiles, qui sont le premier saut, donc il suffit d'aller hop par là, et le deuxième qui nécessite d'arriver à faire un drift sur on fait un saut et puis on arrive sur un damier, si vous allez voir ça, qui est assez compliqué à faire. Hop. Bon, j'ai tapé, ouais, j'ai fail. Donc ça c'est, je crois, la première map qu'il a faite, Zerator, pardon. Ça c'est la première map que Zerator a fait. Donc c'est une map qui fait moins d'une minute, hein, comme vous pouvez voir. Carl est à 54.3. Je suis à 1.01. Et encore, je peux améliorer. Donc là, voilà, cette partie est déjà compliquée. Il faut bien atterrir. Bon, ça c'est la première difficulté, c'est ce saut-là. Et la deuxième, qui est la grosse difficulté du circuit. C'est ce saut là, il faut prendre le bon angle, voilà, pas trop aller vite, passer par là, hop, 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 et après on a le finish, donc là, il faut passer par les CP, hop, 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 et là, il faut aller là, on a ses vitesses, hop, j'en aurais pas assez, si c'est bon, voilà. Donc en soi elle est très courte, hein, elle n'est pas très compliquée, voilà. Mais quand même il y a ce saut sur le dummy là, qui est assez compliqué à faire. Pas trop aller vite, il faut avoir le bon angle. Et le pro arrive à y passer en driftant, donc en gagnant de la vitesse dessus. Pour l'instant moi j'ai un peu de mal dessus. Mais bon, vu que c'est une map assez courte, on aura toujours la possibilité de finir la map. Derrière les pros, certes, mais au moins j'aurais fini la map. Parce qu'il faut savoir que dans ce map pool, il y a notamment une map qui était présente lors de la Trackmania Cup numéro 3, qui a été reprise mais modifiée.
cette usine nature chicane pour ceux qui savent de quoi je veux parler comme map. C'est une map très technique qui on va pas se cacher, avantage du joueur manette, les pros. Qui est assez longue, je crois qu'elle fait plus de 2 minutes. Enfin, moins de 2 minutes pour les pros, hein. Ils sont à 1:30 je crois. Ouais, même une 15 pour Car Junior, une 15, une 16, une 14, quelque chose comme ça. Et vu que la map est très très technique au début, si on se fail, il y a de fortes chances qu'on n'arrive pas à terminer la map avant les pros. C'est-à-dire que les pros vont passer à une 15 et il faudra finir la map avant une 45, admettons. Et personnellement, moi j'ai du mal à déjà finir la map en 1:50, donc vous imaginez un petit peu le souci que cela va engendrer si jamais elle tombe pendant les poules. Il y aura de fortes chances que peu de personnes finissent la map. Voilà, voilà. De toute façon, la map, je vous la montrerai après. Hein. Donc, là, je suis en train de faire le map pack, map par map. Donc, je ne vais pas trop m'attarder sur cette map non plus. Hein. Voilà, il n'est pas très compliqué, pas très longue. C'est une des plus simples, hein, honnêtement. C'est une des plus simples. À Rigu. Pas trop s'enflammer, pas trop aller vite, gérer sa trajectoire. Hop. Normalement, c'est de la finir à chaque fois que ça passe. Voilà, comme vous pouvez voir, hein, si on n'a pas le bon angle, et puis si on va trop vite, hop, on finit dans le trou. Et là, en restartant, des fois, ça passe pas, mais ça passe, nickel. J'ai eu le bon angle, vous pouvez voir que je suis quand même assez sur les épées. Bon, l'idée c'est de partir en drift pour avoir la bonne trajectoire pour ensuite revenir sur les shield points qui vont vers le haut. Voilà, puis ici normalement les pros ils font pas ce chemin là, ils arrivent à tourner directement et à avoir assez de vitesse pour sauter, parce que le but c'est d'avoir assez de vitesse et ne pas louper le lieu où se trouve le passe à la map. Assez original du map pack, il s'agit de micro mouette. Donc la particularité de cette map, vous allez le voir, et je remarque qu'on est 100 668 personnes inscrites pour la compétition, donc c'est un record, hein, parce que la ZRT Cup 4 avait réuni je crois 1200 personnes, donc ça augmente, c'est plutôt bon signe. Après, est-ce qu'on sera 1668 personnes demain à 13h pour la compète? J'ai large de sérieux doute, hein, quand même. Donc la particularité de cette map, voilà, c'est que Zerator a trouvé original, hein, a trouvé que c'était une bonne idée de modifier la caméra. Voilà, donc la map sera jouée uniquement avec cette caméra là, et donc il faut se démerder à faire le parcours en sachant qu'il a placé quelques pièges. Donc là déjà le premier saut, hein, vous avez vu, avec le poteau au milieu. Pas trop aller vite, sinon on passe par dessus le CP. Après on a le petit voile là que j'ai fail. On va recommencer. Voilà. Après il y a une partie où le parcours est caché par des panneaux publicitaires. Il y a également un looping à faire. Et moi ce qui me pose vraiment problème, c'est surtout la fin. C'est horrible. Vous allez voir ça. Donc là, ouais, j'ai tapé un peu le mur, c'est dommage. J'essaie de prendre un peu mieux le voile, voilà, ça, ça passe. Encore, je suis un peu trop en l'air. Et merde. Décidément. Donc cette map en soi, elle est pas très compliquée. Hein. Mais surtout, voilà, le fait d'avoir changé la caméra, il faut s'y habituer. C'est pas évident. Et il faut savoir que si jamais cette map tombe lorsque Zerator streamera. Il aura le même pain de vue, hein, je veux dire, voilà. On verra les joueurs s'aventurer sur la map avec cette caméra là, parce que sinon ça serait pas très intéressant, vu que si on a la caméra normale, on se poserait assez vite des questions pour savoir comment ils font pour pas être aussi parfait qu'ils devraient. Comment ils font pour pas prendre les meilleures trajectoires. Donc là aussi il y a ce poteau là qui est assez vicieux, hein, parce qu'on a tendance à l'oublier. Une fois qu'on a passé le saut, on se dit ah, j'ai réussi à passer sans prendre le poteau au milieu et à avoir assez de vitesse, mais pas trop pour passer le checkpoint sans taper dessus. Donc voilà, petit wall-hit là. Je sais pas trop s'il est
c'est des wars ou pas, hein. C'est pas, je sais pas si c'est trop si gratifiant. Donc voilà, il y a un petit passage sur la terre. Donc là ici, normalement il y a possibilité de cutter en faisant un saut et en passant sur les côtés. Là j'ai fait un peu, mais bon, je vous montre un peu la map. Donc celle-ci, bon, elle est relativement courte, hein. Voilà, fait 1 minute 30, hein, 1 minute 17 pour Paco. Paco qui, pour la première fois, a été sacré champion du monde de Trackmania cette année, enfin l'année dernière, je veux dire. Alors que d'habitude c'était Carl Junior, là c'est Paco. Bon, ouais, le début, voilà, le milieu, la fin, cette partie-là est assez compliquée également parce que là on est à l'aveugle, donc là il faut déjà savoir que je checkpoint ici. Puis là, avec les dodanes, il y a deux poteaux. Et le but étant d'aller le plus vite possible, donc il faut arriver avec une bonne vitesse pour passer les dodanes deux par deux. Et là il faut pas trop aller au milieu parce que sinon il y a les poteaux. Voilà, donc là, ouais, en plus je me fail, hein. Franchement là j'ai pas fait un excellent run, là j'ai pas arrêté de me planter, mais au moins vous voyez un peu la map au ralenti. Voilà, donc là il y a les dodanes, et là c'est la partie la plus compliquée, donc la fin, avec les fameuses tourelles d'acier. Il faut savoir passer où il faut, parce qu'il y a certaines parties de la tour là, et merde, hein, il y a certaines parties qui sont non visibles vu que les cerceaux cachent. Donc moi j'hésite pas à taper dans les murs pour prendre la bonne trajectoire. Donc voilà, 2-19 c'est vraiment pas terrible, mon meilleur score étant 2-33. Et honnêtement, j'ai eu de l'aide de quelques personnes durant mes lives qui m'ont appris quelques tricks que je ne savais pas pour gagner plus de temps sur cette map, notamment faire un wall-hit après le looping dans le virage avant la boucle et réussir à passer les dodanes deux par deux pour avoir le maximum de vitesse et engranger du temps. Donc là honnêtement je fais pas mal d'erreurs, hein. J'ai essayé de faire au moins une fois la map sans me planter, du moins essayer. Parce que très honnêtement cette map je peux l'améliorer, hein. Je peux faire une 25 facile, hein. J'étais sur un bon temps la dernière fois, mais malheureusement comme vous avez vu la fin est très compliquée et j'ai tapé un ou deux poteaux, ce qui m'a valu de perdre pas mal de temps, mais j'ai quand même fait 1.33, sachant que mon score, enfin mon temps, mon meilleur temps précédent était 1.38, donc le petit trick qu'on m'a montré est assez payant. Voilà. Bon, là je fais un peu de la merde, hein. Je dois vous avouer, je suis pas très concentré ce matin. Donc là, ouais, je suis en train de tourner la vidéo vendredi, il est 10h30. Et pour rappel, la compétition commence samedi à partir de 13h. Donc midi 30 sur les serveurs. Pour être chaud. Bon, je fais n'importe quoi là. Donc voilà, cette map est à la fois simple mais compliquée dû à cet angle de vue assez assez perturbant. Allez, je vais me concentrer. Voilà. Ouais. J'ai du mal, hein. Là il va pas falloir fail, hein, lors de la compète. Il faudra vraiment réussir à passer ce début à chaque fois. Ah purée. Je sais pas pourquoi je tapote un peu trop mon clavier là. J'ai un mauvais angle et je fonce dans le poteau. Donc ça c'est compliqué, hein. Début déjà, faut réussir à le faire, c'est pas simple. Après très honnêtement, si vous voulez vraiment progresser dans la compétition, je vous conseille de pas vraiment commencer le jeu une semaine avant, hein. Il y a pas mal de personnes qui ont fait ça, ils ont vu qu'il y avait la compète de Zerator, ils se sont dit allez hop, on va prendre le jeu, on va commencer. Et honnêtement les maps de Zerator pour commencer le jeu c'est pas ce qu'il y a de mieux, hein. Je conseille plutôt d'essayer de faire la campagne solo, hein, les maps de... Et re, donc là on arrive sur la map la plus compliquée du serveur. Il s'agit de Usine Nature Chicane, comme je vous avais parlé tout à l'heure.
Donc là, voilà, le début est très très compliqué. Il faut savoir passer sans prendre de mur. Et deux secondes, hop. Bon, on voit mon bureau. Enfin, je sais pas pourquoi on va m'avoir de tâches en dessous. J'espère que ça sera pas visible sur la vidéo. Voilà, donc le début est très compliqué là avec tous ces poteaux. Il faut trouver le pattern, tout simplement. Le meilleur chemin. C'est compliqué. Il faut savoir que les pros, ils passent ça en. Même pas 10 minutes, 10 secondes. Car Junior, vous voyez, il a une 14, Bren a une 18, il y a 4 secondes d'écart. C'est dire à quel point Car Junior est impérial sur ce point. C'est tout simplement un robot, un alien comme dit Resurator. Il fait ça avec une aisance déconcertante. Donc là, comme vous voyez, mon meilleur temps est de 1,50. Donc plus de 40 secondes d'écart entre moi et Car Junior par exemple. Ce qui fait que si jamais il arrive à être régulier sur son temps, je ne pourrai pratiquement jamais finir la map, sauf si j'arrive à améliorer mon temps. Pour cela, il n'y a pas de petite solution. Il faut que j'arrive à passer cette première partie sans taper une seule fois et surtout sans me retourner. Il faut savoir qu'avec avec les boosts là, dès qu'on tape un poteau, il y a de fortes chances que la voiture se retourne. Il n'y a pas de checkpoint normal, il n'y a que des cercles. On recommence depuis le début à chaque fois, c'est assez pénalisant. L'idéal, ça serait de sortir avant 30 secondes. Ensuite, la deuxième partie, voilà, c'est de la nature. Donc là, c'est un peu plus simple, même s'il y a pas mal d'obstacles. Hein. J'y arrive mieux, moi, personnellement. Et juste la première partie, là où j'ai du mal. Si ouais, je tape un peu, mais c'est moins pénalisant. Sauf si on prend les petits morceaux de, ouais, de sapin ou de cactus. Voilà, après il y a des chicanes, hop, là il y a les trous. Le premier saut, hop, on stabilise. Le deuxième saut, faut pas aller trop vite par contre là. On peut taper le checkpoint. Là on n'est pas obligé de prendre les boosts. Si on va à cette vitesse, on peut passer ce CP là. Ouais, c'est un peu difficile. Voilà, je me suis retourné, bon, tant pis, j'ai perdu de temps. Hop, donc là il y a un rappel des trois zones. Donc là, hop, usine nature et chicane. Hop, là on repasse par ici. Après ici là, il faut avoir beaucoup de vitesse, assez de vitesse pour passer ce saut avec plein d'obstacles. Hop. L'idée c'est de soit on passe au milieu si on a assez de vitesse et qu'on pense pouvoir passer, sinon on va aller sur les côtés. Voilà, et après il y a cette partie là, donc ça c'était rajouté, ça n'était pas dans la map originale. Donc après, hop, une dernière partie où là c'est comme il y a Zerator, le Mordor, donc le boss final. Hop, hop, on peut passer des droites, 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 droites et à la fin gauche. Et là, il faut, si on a assez de vitesse, on peut passer directement à la ligne d'arrivée. Mais là, j'ai pas assez de vitesse. Donc, en sachant que je peux taper une 40, une 30. Hein. Si vraiment je réussis cette première partie et la deuxième sans taper, notamment assez vite, il y a possibilité de taper un meilleur record. Là, je vais essayer de la faire une petite fois sans trop de problème. En sachant que. Moi, ce que j'ai coupé sur la map précédente, mais j'ai réussi à améliorer mon temps sur Micromouette. J'ai fait une 32, c'est pas non plus génial, encore 15 secondes à trouver, mais c'est plutôt mieux que rien. Donc là, c'est assez compliqué de pas taper les piliers, plus chaud que la vie, donc au pad, c'est un peu plus simple. Hein. Là, il y a des maps quand même qui sont plus avantageuses pour les. Joueur à la manette, la direction étant analogique, c'est plus souple, on arrive mieux à gérer la direction. Et mon Trackmania à la manette, moi j'ai un peu de mal, il faudrait que je m'y consacre un ou deux mois pour vraiment être bon à la mettre sur Trackmania, c'est possible. Mais bon, il faut prendre l'habitude, vu
que moi j'ai commencé avec le clavier, ça fait plus de 8 ans que j'y joue au clavier. En fait, le changement est assez rude, difficile. Parce qu'il faut très honnêtement réapprendre tout le jeu. On fait une belle commande. C'est compliqué. Bon, là je fais un peu de la merde sur cette partie là, normalement elle est très très simple, je peux la passer avec facilité et surtout vitesse. Donc là je vais essayer de prendre le plus large possible pour avoir le maximum de vitesse, parce que normalement si on a assez de vitesse on peut passer même le trou ici. Donc là il vaut mieux prendre l'intérieur, voilà, c'est par ici, là ici, là, ça, c'est par là, alors ici il y a un chemin meilleur. Là, on prend l'extérieur mais pas trop sinon on tombe et voilà, et puis après on recommence depuis là, donc c'est très punitif ce qu'il faut. Il y a pas beaucoup de checkpoints où on peut recommencer sur cette, hop, sur cette pompe avant. En fait il y a un checkpoint avant chaque début de zone et en fin de zone, donc vu que la map est divisée en 4 parties, donc la première partie avec les piliers, la deuxième partie avec la nature, la troisième avec la chicane et les sauts. Donc vous voyez hein, les joueurs là ils sont pas non plus super bons sur le serveur là, pour l'instant il n'y a pas les pros. Le meilleur est à 2-0-2, soit pratiquement une minute de retard par rapport à Karl si jamais il était là, ce qui est très 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 pénalisant. Après il faut savoir qu'en mode round, une fois que le premier joueur finit, enfin, on va pas avoir tous ses points, ça se finit pas. Je crois que c'est fait en sorte qu'il y ait tel nombre de joueurs qui soient qualifiés. Et après comme j'ai dit, ils ont rajouté des manches supplémentaires. Hein, on passe, pour la première manche on passe de 1600 à 1000 personnes, donc il y a 600 personnes qui dégagent. Et après on passe de 1000 à 200. Bon, allez, prochaine map, donc Gritwall dégueu. Ça c'est, je crois que c'est la deuxième map qu'il a faite. De bêtises. Donc cette map comporte un début assez assez simple mais technique quand même. Voilà, il faut savoir faire un néo drift pour aller le plus vite possible. Hop, donc en commençant sur la dirt. C'est une map axée dirt hein, vu que Rator a noté qu'il n'y avait pas beaucoup de maps sur la dirt. Général sont dans ses compètes, donc il a essayé d'en faire quelques-unes pour cette compétition, pour cette édition. Donc il y en a 2-3. Hop, il faut savoir que Sidisator aime bien le mix mapping, le fait de pouvoir emboîter des blocs les uns dans les autres, faire des maps un peu plus originales, notamment le dirt là ici. Hop. J'ai un peu mal pris le saut. Vous allez voir qu'il y a une partie assez compliquée sur cette map. Même si dans l'ensemble elle est assez, assez facile à comprendre et à jouer. Et surtout à terminer. Voilà, c'est cette partie là. Hop, le saut sur le pudding. Et voilà, ça, c'est là que ça se complique. Hop. Cette partie sur les châteaux. Il faut aller le plus vite possible à travers les. Meurtrière, les murailles hein, tout simplement. Ouais, puis c'est ce passage là qui est plus compliqué, cette tour là qui est un peu gênante, sachant que du coup ils arrivent à passer en moins d'une minute ici. Ouais, c'est aussi à taper une 17, moi je suis à une 30 comme vous voyez, donc voilà. Sur la plupart des maps je suis à 15 secondes des. C'est parce que j'ai pas vraiment non plus tryhard à fond le time. Je préfère plutôt être régulier sur les maps. Hein. Essayer de claquer le même temps. Pas forcément taper le meilleur temps sur la map. Là, je vais la faire une deuxième fois pour essayer de l'améliorer. Cette map est quand même une des plus simples, hein, je dois avouer, pour réussir à la finir. Pas trop être plus difficile quand même. 2-3 passages compliqués, notamment les châteaux. Pour moi c'est la seule difficulté, c'est les châteaux. Il faut vraiment réussir à y aller le plus vite possible sans devoir taper un mur pour devoir reculer pour réavancer. Donc on perd vraiment beaucoup de temps.
qu'ils arrivent à passer sans, sans faire ça. Aller le plus possible et surtout trouver le meilleur angle pour les virages. C'est les trois virages, je vais dire. Et surtout les trois virages là, dans la flèche à deux qui sont assez, assez difficiles à manœuvrer. On n'a jamais un angle. L'idée, ça c'est que je passe vers l'extérieur du poteau avant le saut et pas l'intérieur pour voir la voiture sur le bon angle, mais j'ai pris l'habitude de prendre avec l'extérieur chaque fois. Je dois perdre du temps, c'est possible. Et bon, au final, ne serait-ce pas ici qu'il faut surtout gagner du temps et non pas sur le fait que la voiture soit mal positionnée avant le saut. Parce qu'au final, j'arrive à passer le saut sans problème. Donc, je perds pas non plus énormément de temps là-dessus. Ouais, c'est surtout cette partie qui est compliquée là. Hop. Faut pas non plus hésiter à taper un peu pour rediriger la voiture. Et là faut pas non plus aller trop vite parce que vous voyez il y a une petite bosse et il suffit que la route tape pour se retourner ou partir à droite ou à gauche. Ouais, et puis ici c'est la dernière difficulté, c'est pas hésiter à prendre un chemin. Parce que si on hésite trop, on tape. Oula, je suis pas loin de mon délit là, 31. Là, ça serait que j'arrive à être à moins de 10 secondes des premiers, donc réussir à faire moins de 1,29. C'est bien que j'arrive à faire 1,25-1,26. Et être régulier sous la 1,30, ça serait idéal. Pour ça, il n'y a pas de secret, c'est le château. Il faut passer le plus facilement possible, le plus rapide. Voilà, là j'ai. Vous voyez, eux ils prennent l'extérieur, je prends à chaque fois à l'intérieur. Ce qui n'est pas très bon. Donc je m'habitue là à passer à l'extérieur, même si la compète commence demain, il faut que j'arrive à prendre cette habitude là, à gommer la précédente. Donc, je pense que les pros font ça comme ça, ils prennent à l'extérieur pour avoir la meilleure trajectoire, surtout le bon angle pour attaquer le saut suivant. À partir dans le décor si on va trop vite et qu'on atterrit pas parfaitement bien dans l'axe de la pente. Donc là ici c'est pas trop force de prendre le CP en bas ou prendre en haut parce que là il est dans la trajectoire. Après le dire, pour être sûr d'avoir un très bon temps, faut réussir à passer la boucle en moins de 19 secondes, arriver à votre dernier CP en 19 secondes avant d'attaquer le saut. Là vous êtes sûr d'avoir un très bon temps, ne plantez pas avant, après. Arriver en haut en 19 secondes en fait. Là, je suis à 20.6, il faudrait que j'arrive à 19.9 ou 20.8. Sachant que les pros n'avaient pas moins de 18. Voilà, j'ai pris toujours cette habitude de prendre à gauche, c'est pas bon. Bon, là encore j'ai un peu trop ralenti, mais normalement j'arrive toujours à passer bien. Après je suis pas non plus super bien placé pour prendre le virage à la fin. Moi j'arrive toujours à passer le saut. Et re, donc là on arrive sur la map la plus longue, enfin une des plus longues, avec Usine Nature Chicane. Donc il s'agit de pas symétrie. Donc le principe de la map reprend un petit peu l'idée des pathfinding des éditions précédentes. Oui, là il va falloir trouver le meilleur chemin en sachant que les pros de manière générale prennent toujours le même chemin vu que c'est à chaque fois le meilleur, hein, le plus court, le plus rentable. Donc moi hier j'ai enfin réussi à trouver le cut que prenaient les pros. Hein. Pardon, les 5 cuts. Voilà, passer d'un checkpoint à un autre. Donc là, mon parcours n'est pas forcément le meilleur, mais on va tenter de faire le parcours que font les pros. Donc ils me prennent comme ça, voilà. Et alors là, il va falloir avoir assez de vitesse, prendre bien large, ne pas aller
vitesse et là il faut arriver à nickel. Passer par ici, hop, prendre ce CP là, faire entrer, hop, passer le wall. Hop, ensuite, retomber en bas. Tac. Encore j'ai mal pris, parce que normalement les pros arrivent à prendre le creux du wall pour tomber pile sur le CP. Tac. Et là après on va chercher les checkpoints. Hop. Là, je suis mal parti parce que je suis là. Hop, après il y a celui-là. Hop. Et après ce qu'ils font c'est qu'ils vont prendre celui-là. Tac. Donc là faut vraiment connaître le chemin. Ça c'est vraiment primordial pour s'en sortir. Faut savoir où aller parce que sinon on est vite perdu. Là, hop, donc après là ce chemin là je suis pas sûr que ça soit le meilleur que je prenne. Tac. Donc, voilà, en sachant que moi je suis à 2,45 et encore j'ai pas fait un meilleur temps, j'ai pas réussi à valider à temps en prenant les cuts hier. Hop, là il faut faire pareil. Ah bon, je ferai pas ces 10 tests, tant pis, au moins j'aurais essayé. Hop, hop, on va passer par là, hein, tant pis. Tac. Tac. Là on perd assez de temps quand même. On perd pas mal de temps en faisant ça. Mais bon. Tac, là on va chercher ce checkpoint là qui me manque. Ça. Et après là, si on a la veine, voilà, on arrive ici. Et alors là on va tout droit et normalement on peut passer sans avoir à rebondir. Voilà, bon, j'ai eu un coup de chance. Mais bon, vous voyez un petit peu le principe de la map, donc elle est assez longue hein, quand même. Même si les pros le font en pratiquement 2 minutes, 2013. Il faut vraiment avoir son chemin vraiment bien tracé dans la tête. Et surtout prendre les virages les plus courts possible. Donc là, hop, faut arriver à. Là, j'ai fail. Ça, c'est compliqué hein, parce que là, il faudra choper le CP ici, pas perdre de temps du tout. Faut vraiment aller vite. Vous avez vu, hein, quand je suis sorti à la fin, là, j'étais encore à 2,15. Là, je pense que les pros ils arrivent à sortir vers 2 minutes. À toute fin. On va choper le finish. Après bon, le parcours initial n'est pas vraiment comme eux. Il peut être payant je pense. Voilà, allez, je vais faire mon parcours initial. Enfin, mon parcours initial c'est ça. Là on va choper tous les CP ici. Avant de sauter. Je fais un peu de la merde là. Ouais, je fais un peu de la merde, je perds du temps. Comme ça, ensuite. Bon là avec le cut qu'ils font, je n'ai pas besoin de prendre le CP ici. Tac. Ouais, je vais passer une vitesse. Je vais passer une vitesse. Non, c'est mort. C'est mort. Donc là, il faut vraiment avoir cette vitesse pour passer les cuts. Hein. C'est pas possible. Longer la bordure extérieure sans toucher le mur. Parce que ça fait gagner facilement 10 secondes et vu qu'on doit le faire à droite et à gauche, ça fait gagner 20 secondes facilement. Hop, je vais plutôt faire comme ça. Donc, moi j'ai l'habitude d'aller prendre les 2 CP avant. Ils en prennent un, puis après ils prennent le deuxième et on retombe en fait. J'ai oublié. Moi d'habitude je prends le. Voilà, de toute façon je vais vous montrer, hein, je prends le CP sur le wall, sur le mur. Je redescends en passant sur les côtés du boost.
petit tour, puis après je passe un petit trou. On va chercher les CP d'en face. Hop. Ils arrivent mieux avec la manette, ils arrivent mieux gérer. Voilà.